Challenge World Ball Basketball Performance Quarterfinal Games with FIBA Under 18 African Championship 2022. A game between Madagascar and Guinea. From Guinea!
Egypt, Ali Larouchi from Algeria, and Peter Otita from Kenya. Rebonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes au Palais des Sports Mahamasina de d'Antananarivo à Madagascar. C'est le championnat d'Afrique U18 garçons. On rappelle que dans ce pays se déroule simultanément le championnat d'Afrique masculin et le championnat d'Afrique féminin. Les garçons jouent à Antananarivo et les filles jouent à Antsirabe. Les filles de Madagascar se sont d'ailleurs qualifiées face à la Tanzanie, ce qui a occasionné beaucoup de bruit dans cette salle. Et puis on a Guinée-Madagascar, la Guinée qui se présente avec Ibrahima Diallo, Amadou Thiam, Alpha Kaba, Papa Kaba. Puis cette équipe malgache qui joue à domicile, une équipe qui monte, une équipe en devenir. La Guinée qui est coachée par Zelko Zesevic, que nous connaissons bien, entraîneur, directeur technique. Landrick Mathias Madi, Rino Randria Biarivelo, Rabibi Soageri, Andrea Tsarafara. Voilà, ce sont les titulaires de cette équipe malgache. Et puis le coach Randria Alain. Le vainqueur de ce match affrontera Le Mali qui s'est facilement qualifié aux dépens du Bénin. Donc c'était un match à enjeu, c'était un match qui promet. Et comme on le dit dans le jargon, que le meilleur gagne. Voilà Zelko Zesevic, toujours très concentré, sélectionneur des seniors, des équipes de jeunes. Technicien serbe, chevronné, qui fait de très bonnes choses du côté de la Guinée. Et puis le trio arbitral, Elmenchi Salim d'Égypte, Larouchi Adlem d'Algérie et Pete Onishi du Ontita du Kenya. Et dans quelques instants, donc, le deuxième quart de finale entre les jeunes Sili de Guinée et cette équipe malgache qui joue à domicile. Regardez comment la salle s'est remplie. Ce palais des sports de Ramanassima qui s'est bien rempli. Et ça va partir, on va lancer les hostilités. Les dernières consignes de part et d'autre. C'est un des quarts de finale qui, sur le papier, s'annonce assez indécis. Alors, pour les Malgaches, on va faire simple, on va vous donner les prénoms. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont été présenté par le speaker, donc ce qui nous facilite la tâche. Et puis la Guinée, très belle équipe hein, sur le papier. Voilà, sous la direction des arbitres. Au bout de 40 minutes ou plus, on connaîtra la première demi-finale. On connaît déjà un des premiers demi-finalistes qui est le Mali. Numéro 11 guinéen, Ibrahim Souaré. Joueur de la Dream City Christian School à Glendale en Arizona. Les Guinéens qui n'ont pas hésité à faire venir certains de leurs joueurs expatriés pour vous dire qu'ils prennent ce championnat d'Afrique très au sérieux. Alpha Cabinet, le ballon dans les mains d'Ibrahim Souaré. En dessous dans la peinture et le premier contre de la partie. On se bagarre. Première action, premier stop défensif
pour les Malgaches. Attention, là aussi, stop défensif, la tentative de contre-attaque, Thiam, joueur du Centre fédéral de Guinée, Alpha Kabiné, le meneur du Slack. Ça c'est bien, on ressort le ballon pour Kabiné qui va partir le ballon dans la peinture. Il essaye de se bagarrer Ibrahim Souaré mais qui n'y arrive pas. Les Malgaches à la relance, le ballon dans les mains de Mathias Madi. Mathias Madi, le feu follet, Mathias Madi, très très bon joueur, très ovationné aussi, qui occasionne une première faute d'Amadou Thiam. Public qui a l'air tendu, qui a l'air crispé, qui attend certainement les premières occasions en faveur des locaux. Donovan. Allez, on va annoncer le système. L'écran porteur en tête de raquette. Le ballon qui revient sur Donovan. Donovan qui donne. Oh, aïe, 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 aïe. Et c'est bien parti. Ce premier shoot de Géry à 3 points qui fait mouche. Géry Rabibissoa. Madagascar 3, Guinée 0. La passe dans le dos. C'était osé. Et la tentative de dunk qui échoue. Allez, on va remettre le couvert là de la part de Mfamara Dabo. Ah, le pied sur la ligne. Le pied sur la ligne. Sortie de balle. Ibrahim Souaré. Voilà, qui a commencé à se plaindre. Et les arbitres qui vont essayer de le ramener à la raison. Il faut surtout rester dans le match. Jouer à l'extérieur, jouer contre le pays hôte, ce n'est pas toujours facile. Allez, on remet en place le système. Donovan. Ah, la passe dans le trafic. Mathias qui n'a pas marché. Voilà, cette fois-ci. Non, ça ne rentre toujours pas. Toujours pas Ibrahim Souaré qui pour l'instant ne trouve pas la distance. Ballon qui va ressortir là-bas. Mathias à 3 points. Il y aura une faute. Faute en faveur des Malgaches. Remise en jeu en ligne de fond. Remise en jeu malgache. Mathias. Ballon dans l'aile. L'écran au-dessus de Sylvain. Qui va aller écraser ce dunk. Sylvain Tovolalaina. 5-0 pour Madagascar. Ibrahim Diallo. Tout seul comme un grand à 3 points. En échec. Le rebond sera assuré par Souaré qui obtiendra 2 lancers francs. Et cette faute d'Anderson. Oh, la bronca du public sur ce lancer franc d'Ibrahim Souaré. L'homme venu d'Arizona, le premier manqué. Deuxième lancer franc pour Souaré. Réussi. 5-1. Pour le pays hôte. Allez, on va faire circuler le ballon. Mathias Madi. Le ballon dans l'aile. Thierry. Oh, le passé va. Oh, le passé va d'école. Et Mathias Madi qui vient inscrire 2 nouveaux points pour Madagascar. Allez, le ballon dans le corner. Le trapping sur Mfamara Dabo qui ne va pas s'en sortir. Ballon pour Madagascar. La contre-attaque, le double pas et la faute derrière. Nouvelle faute guinéenne, Alpha Kabiné Kaba, le joueur du Slack. Seydou Legacy Athletic Club, champion de Guinée.
qui a participé à la dernière Basketball Africa League. Le premier lancer franc de Rino est manqué. Randin Bria-Rivelo. On sait que les matchs peuvent se jouer là aussi, sur les lancers francs. Il va falloir ne pas en laisser un maximum sur la route. Allez, on est reparti. Ibrahima Diallo. Little Helms qui joue au Texas. Hein, Ibrahima Diallo qui fait admirer ses handles et qui va aller provoquer une faute. Lui aussi qui nous arrive des États-Unis, joueur de Little Helms High School au Texas et qui provoque la faute. Voilà, on va essayer de remettre de l'ordre là dans le filet. Diallo lancé franc. Le premier manqué. Deuxième lancé franc pour Diallo. Un sur deux pour Diallo. Mathias Madi dans ses œuvres. Le ballon dans les mains de Jerry Madi, encore une fois sur le drive. Le ballon bien volé là par Alpha Kaba sur le drive en transition. Alpha Kaba qui inscrit ses premiers points du match. Attention, ne pas perdre ce ballon. Rino, on va essayer de travailler. Poste bas, c'est compliqué. Mathias Madi, mid-range. Mid-range et la faute en prime. Waouh. Le mid-range shot et la faute en prime. Les Malgaches qui, en tout cas, ont très, très bien abordé le match. Très, très, très bien abordé le match. ...10-4 pour Madagascar, qui pour l'instant est très très bien entré dans son match. Qui fait les bons choix. Voilà, on entendait Alefa. Alefa Madagascara. Certainement des encouragements pour l'équipe malgache. Soirée, ça c'est bien fait. Cabinet qui donne dans la peinture à Famara Dabo. On ressort le ballon. Cabinet à 3 points, ça ne rentre pas. Dabo qui se bat pour le rebond, ça ne rentre pas et qui commet une faute. Ça devient compliqué. Attention aux fautes qui s'amoncellent et les Guinéens qui sont déjà dans la pénalité. Ça le fait sourire, hein, Alpha Cabinet. Les Guinéens qui sont déjà dans la pénalité. Il faudra faire attention. Attention à ne pas commettre trop de fautes. Donovan qui va redonner un peu plus d'épaisseur au score. 12-4 pour Madagascar. Ibrahima Diallo, l'écran tête de raquette de soirée. Diallo, très très bon manieur de balle, hein, Ibrahima Diallo. Alpha Cabinet, oui, sur le drive, très bien fait, finition une main, tout, il a tout fait à une main d'ailleurs,
très très bien fait. Mathias Mali, et nouvelle faute. Nouvelle faute, et de nouveau lancé franc. Mathias Mali, déjà très très bien rentré dans son match, qui fait les bons choix. Le premier lancer converti, 13 à 6 pour Mada. Mathias Mali, deuxième lancer franc. Deuxième lancer franc à suivre pour Mathias Mali. 2 sur 2 pour Mathias Mali. Allez, les Guinéens avec des rotations. C'est Pape Souleymane Diakité qui est rentré. Alpha Kaba. Ibrahima Diallo. L'écran, tête de raquette, le pick and roll avec Ibrahima Sano. Lui aussi qui joue au Canada. Hein. Joueur de la Addison, J. Addison School au Canada, Ibrahima Sano. Et Marché perd le ballon. Les Malgaches. Mathias. Donovan. Le tir à 3 points manqué. Oh, ça c'est bien fait. Oh, le contre. Oh, le contre Malgache. Mais attention. Et pourquoi pas. Ibrahima Diallo qui se manque à 3 points. Mais il était beau. Il était beau ce contre de Donovan. Qui est allé cueillir ce ballon tout en haut de la planche. Oh, nouvelle faute, nouvelle faute, nouvelle faute guinéenne. Ça tombe de partout. Pape Souleymane Diakité qui est pris par la patrouille. Voilà, ça c'est bien ce que lui dit Alpha Kaba avec son expérience, même s'il est jeune. Il a eu l'avantage de participer à des... championnat d'Afrique qui lui dit regarde, on est pénalisé, on est dans la pénalité, on a 4 fautes, il faut éviter de commettre ce genre de fautes, d'autant plus que Mathias Mali, lui, se régale au lancer franc. Pas d'échec là, pas de déchets sur les lancers francs, plus 9 pour Madagascar dans ce premier quart-temps, et voilà, 2 sur 2 pour Mada. Allez, on va essayer de travailler avec Soirée. Soirée qui donne le ballon en dessous pour Sano. Sano qui va essayer de manœuvrer. Attention, il n'est pas loin du marché. Alpha Kaba. Alpha Kaba. Ouh, ça, c'était pas simple, mais ça rentre, ce tir de Sano. Ibrahima Sano. Alors, on a vu tout de suite une défense de boîte sur Ibrahima Diallo, le playmaker guinéen, qui est pris en boîte, qui va recevoir un traitement... un peu spécial. Oh, Mathias Mali qui essaye. Attention. C'était Fabrizio Eritiana. Fabrizio qui va récupérer le ballon en fin de possession. Qui balance une prière qui n'est pas exaucée. Ibrahima Diallo. Non, non, Alpha Kaba. Alpha Kaba, Ibrahima Diallo toujours en boîte là. Oui, le ballon pour Soirée. Soirée qui va sortir dans le corner. La petite feinte. Le mid-range shot qui ne rentrera pas. Et les Malgaches à la relance. Mathias Mali. Mathias Mali. Quelle aisance technique. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comme s'il était entouré de plots coast to coast. Aucune réaction défensive des Guinéens. Et plus 10 pour Madagascar. Et ça, ça ne va pas plaire. Mais alors, pas du tout à Zeljko Zečević. Hein, tel qu'on le connaît. Il va pas manquer au prochain temps mort, au prochain arrêt, de pousser une vraie gueulante là. Et les Guinéens qui pour l'instant balbutient un peu leur basket. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce geste de Pape Souleymane Diakité qui nous a fait un peu n'importe quoi. Les Malgaches qui se battent. Donovan sur la vitesse. Allez, on va calmer tout ça. Voilà, essayer de travailler.
On cherche Madi. Et Madi, qui a cherché la faute. Hey, qui a de bonnes mains, qui va piquer le ballon. Violation. Ballon touché du pied par Ibrahima Diallo. Et le ballon qui reviendra dans les mains malgaches. 12-8 pour Madagascar, qui est vraiment très très bien rentré dans son match. Allez, le ballon dans les mains de Jerry. Il va essayer de travailler tout seul comme un grand. Oula. Eh oui, bonne défense d'Alpha Kaba. Le ballon, voilà le petit dunk d'Ibrahim Soaré. Ça va le mettre dans son match, ça va lui permettre de rentrer dans son match. Plus 8. Et derrière, il réussit un contre. Allez, rotation dans l'équipe malgache. C'est Jerry qui va sortir au profit de Leva Mirando. Premier ballon, Mirando, and one. Ça permet tout de suite de rentrer dans le match, en tout cas. Fabrizio, Michael, Eritiana. Michael Eritiana, Fabrizio, lancer franc. Ouh, un vilain herbolo au lancer franc là. Pour Fabrizio, un peu de stress, certainement. Le deuxième, manqué, 0 sur 2. Allez, petite baisse de régime malgache, les Guinéens devront en profiter. Ibrahima Diallo, toujours avec ses handles. Quelle bonne manière de ballon. Il va falloir le lâcher aussi. Il faut faire simple, Diallo. Il va falloir faire très très simple, beaucoup plus simple. C'est bien, bonne manière de ballon, mais il va falloir penser à faire jouer les autres. D'autant plus qu'il est ciblé là par la défense malgache. Allez, Mathias Madi sur le premier pas. Mathias Madi qui va ressortir le ballon. Et marcher. Marcher sifflé contre Sylvain. Tout voilà la Laina. Les Guinéens qui réussissent à faire des stops. Madagascar qui est bloqué à 18 depuis les trois dernières possessions. Ibrahima Diallo, la passe pour Soumpare qui va falloir, Soumpare qui est parti dans un raid solitaire, qui ne trouvait pas de solution, le joueur du Centre fédéral de Guinée, et qui malheureusement va perdre un ballon. C'est un temps mort. Pour l'instant, le match qui tient toutes ses promesses. Le match qui tient toutes ses promesses. 18 à 10 pour Madagascar. Temps mort malgache. Avec un Ibrahima Diallo qui pour l'instant monopolise le jeu. Alpha Kaba qui n'est pas mal dans son rôle de leader. Du côté malgache, on a un très très bon Mathias Madi. Déjà 11 points à 3 sur 4. Allez, on lâche les consignes. Allez, retour de temps mort. 11 secondes 8 à jouer.
18-10 pour Madagascar, qui est très très bien rentré dans son match en tout cas. La remise en jeu, Leva Mirando. Allez, on va travailler. Voilà, histoire de marquer rapidement. 8 à jouer. Mathias Madi, ça c'est bien fait! Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de manquer un tir aussi facile. Ce n'est pas possible. Oh là 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 là, Leva Mirando. Il va se faire rouspéter, il va se faire gronder là. La fixation était très très bien faite de la part de Mathias Madi. La petite passe et puis derrière, malheureusement, pour Madagascar, Leva Mirando qui manque l'immanquable. 18 à 10 pour Madagascar qui pour l'instant est bien rentré dans son match, qui fait les bons choix. Les Guinéens ont stoppé l'hémorragie, notamment en réussissant des stops défensifs avec Alpha Kaba qui voilà, commence à prendre son rôle de leader, même si cela ne se voit pas au scoring. C'est celui qui a la meilleure évaluation parce qu'il a fait de très bonnes actions. Et l'évaluation, hein, le plus minus, c'est la somme des actions positives moins la somme des actions négatives. Il est à 9 en positif. Voilà pour dire que Alpha Kabine Kaba fait un très bon match, même si cela ne se voit pas au scoring. Ibrahim Asano, 4 points. Ibrahim Khalil Soare, 3 points. Voilà. Pour les Guinéens en face, on a un très très bon Mathias Madi. Mathias Madi, 11 points à 3 sur 4. Et 5 sur 5 au lancer franc. Pas de déchets au lancer franc. Du très très bon Mathias Madi qui est la coqueluche, hein, on le sait. On le sait. Et ça va repartir. Deuxième carton qui va repartir. La possession sera pour les jeunes Sili de Guinée. Alpha Kaba pour la remise en jeu. Ligne de touche. Alpha Kaba qui est défendu par Landrick Donovan. Ibrahima Diallo. Soare. Kaba dans la peinture. Oui, belle circulation de balle des Guinéens. Ah, c'est là où les choses se compliquent pour Thiam. Kaba, ça c'est très bien fait. Très très bien fait. Très bon joueur, hein, Alpha Kaba. On l'a dit, hein, beaucoup d'expérience, même s'il est jeune, avec l'équipe du SLAC, Seydou Legacy Athletic Club. Voilà, écran tête de raquette. On va transférer le jeu à l'opposé. La défense guinéenne qui essaye de réagir. Donovan, pas loin de perdre ce ballon, qui finalement est perdu. Voilà. Madagascar est bloqué depuis 4 minutes maintenant à 18. La défense guinéenne qui réalise stop sur stop. Ibrahima Diallo. Soare. Kaba. Le ballon dans la peinture. Fomara Dabo. Le tir est manqué. De Thiam. Fomara Dabo. Le jump hook manqué, Thiam, la claquette manquée et le contre malgache derrière. Et ça va repartir. Oh oh oh, quel artiste, Mathias Madi. Le toucher, le rebond offensif. Il n'aura pas gain de cause. Réclamer un petit quelque chose qu'il n'obtiendra pas. Diallo. Le métronome hein, de cette équipe. L'écran tête de raquette de Soare. Diallo sur un appui.
Ça ne rentrera pas. Famara Dabo qui a essayé de se battre. Mais le ballon sort en faveur des jeunes Sili de Guinée. Accompagné en temps par Landrick Donovan. Le catch and shoot de Diallo. Oh, il n'est pas payé. Il n'est pas payé en retour. Landrick Donovan qui va monter le ballon. La relance des Malgaches. Attention à la double team. Landrick Donovan qui décale son partenaire derrière qui sera très très court. Très très court. Les Guinéens qui réussissent de très très beaux stops en défense. Sont très très bien joués offensivement. Ils arrivent à faire les stops nécessaires. Et puis, de temps en temps, Alpha Kaba qui va mettre quelques tirs. Ibrahim Souaré qui accompagne les ballons. Ouh, ils ne se sont pas compris. Et ça, c'est un cadeau offert à Mathias Madi. Il ne faut pas lui en donner. Il ne faut pas lui en faire. 13 points dans son escarcelle personnelle. Mathias Madi. Oui, ils ne sont pas encore. Faute offensive. Faute offensive. Faute offensive. Faute offensive sifflée contre Ibrahim Souaré. Alors celle-là, elle est dure. Elle est sévère. Elle est sévère, cette faute offensive. On demande à M. Zecevic de se calmer, mais elle est très sévère, cette faute. Et surtout, surtout, c'est une faute contre Souaré, qui est un atout, hein, un atout à la fois offensif et défensif de son équipe. Le contre de Souaré. Allez. Il faut ressortir le ballon. Voilà, ça c'est bien fait. Le tir dans le corner de Diallo qui ne rentre pas. Le rebond est sécurisé. Mathias Madi à la relance. Mathias Madi, quel premier pas. Quelle qualité de premier pas. Et qui va provoquer la faute d'Ibrahima Diallo. Un peu de trash talk. Un peu de trash talk là. Entre les deux numéros 4, Mathias Madi et Ibrahima Diallo. Mathias Madi, pour l'instant, impeccable au lancer franc. Il n'a rien manqué. Désormais, à 6 sur 6 au lancer franc, Mathias Madi. Ah, je lui ai porté la guigne. 1 sur 2. Plus 9 pour les Malgaches. Alpha Kaba. Le contre malgache. Et cette fois-ci, c'est Landrick Donovan. Plutôt Jerry. Jerry Rabibisoa qui sera pénalisé d'une faute personnelle. Alpha Kaba au lancer franc. On dirait, lui, il en a vu d'autres, mais c'est pas toujours évident. Et voilà, malgré son expérience, malgré son vécu, il nous gratifie d'un airball au lancer franc. Ça le fait sourire, mais c'est un rire jaune, hein, je peux vous le dire. C'est un rire jaune. L'arrière du slack. Combo guard, Alpha Kaba. Le deuxième, voilà, le deuxième est réussi. Allez, remise en jeu, malgache. Le ballon dans les mains de Jerry Rabibisoa, qui va essayer de travailler. Il perd ses appuis. Une action totalement confuse, mais qui se termine bien, bien, bien. Très belle action en tout cas. De Rabibisoa. Attention à ne pas perdre ce ballon.
Diallo, Kaba. Kaba qui est stoppé dans sa tentative de percussion et qui va obtenir de nouveaux lancers francs. Plus 10 pour Madagascar. 23-13. 6 minutes 13 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et toujours le public. Hein. La bronca du public, c'est de bonne guerre. Madagascar joue à domicile. Le premier est manqué, comme tout à l'heure. Là aussi, il va falloir rectifier la mire, revoir la mire. Parce que les lancers francs dans ce genre de match sont capitaux. Le protégé du président Sakoba Keïta, président de la Fédération guinéenne de basket. Alpha Kaba, deuxième essai. Et c'est un 1 sur 2, comme tout à l'heure. Attention à ne pas commettre de faute la soirée. N'arrive pas à prendre ce ballon. Rabi Bissoua, Jerry. Alpha Kaba. Le stop and go. Stop encore. Soirée. Soirée qui s'écarte, peut-être pour mieux finir. Il ne finira pas. Enfin, Maradabo qui s'est battu. Mais le rebond n'est pas sécurisé. Et le ballon sera malgache. La remise en jeu. Mathias Madi. Oh, le reverse. Oh là 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 là, Madi. Il nous gratifie de tout là. Ankle locker. Ankle breaker, si vous voulez. Sur Kamara. Allez, encore lui, Mathias Madi. Le tir à 3 points dans le corner. Le rebond long, sécurisé par Dabo. Kaba. Diallo. L'écran. En tête de raquette. De soirée. Et le contre derrière. Kamara Dabo. Il n'y arrive pas. Regardez encore. Très très beau contre. Hein. Pas très adroit, pas très chanceux pour l'instant en attaque, mais Rino fait de bonnes choses défensivement. Et pourquoi pas? Il est loin, Mathias. Il est loin, très très loin. Normal que ce soit un airball. Il était très 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 loin là, Mathias. Mathias Madi. Attention à ne pas se laisser. Temps mort demandé cette fois-ci par l'équipe de Guinée. C'est un match qui a l'air pour l'instant indécis, mais que les Malgaches, j'ai failli dire les Malagasies, c'est comme ça qu'on dit chez eux, que les Malgaches tiennent pour l'instant. Réussissent quelques bonnes actions sur le plan offensif. Avec à la baguette un Mathias Madi qui fait d'excellentes choses. Et puis les Guinéens qui pointent le bout du nez avec Alpha Kaba présent des deux côtés du parquet. Famara Dabo. Voilà qui se bat aussi. Le joueur de la Prolific Prep School à San Francisco. Ibrahima Soare.
On essaie de stopper l'hémorragie comme on peut. Moins 9 pour les jeunes Sili de Guinée. 4 minutes 30 pour ramener ce score à des proportions un peu plus acceptables, on va dire. Allez, tentative de Skyhook manquée d'Ibrahima Sano. Oh là 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 là, quel premier pas, quel premier pas. C'était très très bien fait pour Landry Donovan qui va partir sur la ligne de lancer franc, potentiellement donner 11 points d'avance à cette équipe malgache qui joue sans complexe. C'est vrai, elle a l'avantage du terrain, mais elle joue sans complexe. Rotation chez les Sili. Amadou Thiam qui va céder sa place. Landrick Donovan au lancer franc. Le premier court. Commence à avoir du déchet au lancer franc des deux côtés d'ailleurs. Ouh, 0 sur 2. Alpha Kaba. On va chercher Diallo. La position préférentielle, main très très mal gérée. Le ballon qui est intercepté par Rabibi Soa. Madi. Ça joue. Short corner dans la peinture. Ballon qui va ressortir. Et le rebond est guinéen. Alpha Kaba. Diallo. L'écran mobile. L'écran tête de raquette. Mais c'est un écran mobile. L'écran d'Ibrahima Sano était mobile. Ce sont des munitions gâchées hein, pour la troupe Azel Kozesevich. Allez, Mathias Madi, toujours dans son duel. Cette fois-ci, il a collé à lui Amadou Thiam en défense. L'écran tête de raquette. Ouais, la passe dans le short corner. Et ce shoot. Ce shoot bien senti de Jerry Rabibi Soa. Panier sera-t-il accordé sur cette faute de Landry Donovan? A priori, non. Remise en jeu, ligne de fond. Ce sera juste une faute. Faute de Landry Donovan, Rakoto Nanari. Allez, petit conciliabule entre l'arbitre et la table de marque. Et on va repartir sur cette remise en jeu. Le ballon dans les mains de Thiam pour la Guinée. Tunkara. Diallo qui n'est pas récompensé. Qui obtiendra une faute. Faute de Rino. Mais il n'est pas récompensé Diallo sur ses différentes tentatives. Diallo qui semble-t-il a été pris en grippe par le public. Lancé franc annulé parce qu'il a semblé, faire une feinte. Voilà Diallo qui reçoit les petits conseils d'Alpha Kaba. Voilà. Diallo qui inscrit son premier lancer franc. Moins 10 pour la Guinée.
Deuxième lancer franc. Moins 9. L'avantage de Madagascar. Mathias Madi. Défendu par Thiam. Mathias Madi qui passe et qui provoque la faute de Thiam. Et ça sera à son tour un passage sur la ligne de lancer franc. Et justement Diallo qui lui fait la remarque. On est dans la pénalité. Il faut éviter de commettre des fautes inutiles. Plus facile à dire qu'à faire. -16. Premier lancer franc converti par Mathias Madi. Le deuxième. Manqué le rebond malgache. Le rebond assuré. Allez, Donovan Landrick qui va partir. Ligne de fond. Non. Elle était osée cette passe. Et le ballon récupéré par Alpha Kaba. Alpha Kaba, c'est de mettre le système en place. Diallo. Ibrahima Diallo dans ses œuvres. Et pourquoi pas ce tir à 3 points. Ibrahima Diallo, enfin une réussite primée pour Ibrahima Diallo. Qui est récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Hein, l'ensemble de son implication dans le jeu offensif des Guinéens. Mathias Madi, ça s'est bien trouvé. Le ballon n'est pas maîtrisé par Rino. Et il n'est pas non plus maîtrisé par... Attention, ça se frictionne par Mfamara. Allez, on va jouer un peu loin. Le ballon revient dans les mains de Mathias Madi qui prend l'écran. Le ballon dans l'aile, le tir à 3 points avec la planche. Le tir à 3 points avec la planche, messieurs, dames. De Landrick Donovan Rakoto Nanahari. Et Madagascar qui retrouve ses 10 points d'avance. À 1,37 à 2, la mi-temps. Cette fois-ci, Diallo en échec. Aïe. Ali Tunkara aussi en échec, près du cercle. Et nouvelle faute. Attention à ça. Se calmer, de se faire sanctionner pour ça, Ibrahima Diallo, et surtout, il peut faire très très mal à son adversaire. Alors, il y aura un temps mort, si j'ai bien compris le geste de l'arbitre. Il faut arrêter de faire ça. On a vu aussi le geste là d'Alpha Kaba qui applaudit les arbitres. Il ne faut pas s'énerver, les jeunes Guinéens. Il ne faut pas s'énerver, garder son calme. C'est un quart de finale qui est important. Voilà, nous on va revoir quelques actions positives. Le tir short corner de Fabrizio Eritiana. Et là le tir à 3 points. Voilà, d'Ibrahima Diallo, ça ce sont des choses qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir de la castagne, ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin de se calmer. Surtout les jeunes Guinéens qui gagneraient à se calmer. Ils s'en prennent à l'arbitre. Est-ce la chose à faire? Ou garder sa concentration? Essayer de battre le pays hôte à domicile. C'est toujours quelque chose de très plaisant malgré l'adversité. D'ici là, deux lancers francs à suivre normalement. Pour cette faute commise sur Mathias Madi. Mais c'est Landrick Donovan. La faute était sur Landrick Donovan au lancer franc. Il n'est toujours pas précis. Pour l'instant, c'est sans conséquence, mais il pourrait le payer cher sur la fin de match. Landrick Donovan à 0 sur 2.
Et on en reste à 10 points. 1-23 à jouer sur ce deuxième carton. Alpha Kaba. Alpha Kaba. Alpha Kaba qui va chercher. Voilà, qui va trouver Souleymane Diakité. Le ballon dans les mains de Sano. Sano. Sano qui obtiendra deux lancers francs sur cette faute de Landryk Donovan. Jeune joueur Sano qui nous vient de la J. Addison High School au Canada. Jeune espoir en tout cas du basket guinéen. Comme Soumaré, comme Famara Dabo. Alors beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse au lancer franc. De part et d'autre. Sano, deuxième tentative, manqué aussi. Rebond malgache. Mathias Madi, toujours avec Tiama Sebasque. Le ballon, oui, ça s'est bien fait dans la peinture. Nouveau passage au lancer franc sur cette faute de Mfamara Dabo. Anderson. Andriats Sarafara. Qu'est-ce qu'il y a du déchet? Qu'est-ce qu'il y a comme déchet au lancer franc? De part et d'autre d'ailleurs. Encore un 0 sur 2. Le ballon sera guinéen. On est à moins de 50% au lancer franc des deux côtés. Tout juste 50% pour les Guinéens. Et pour les Malgaches, 42,86. Pour l'instant, ça ne se voit pas, ça ne se paye pas, mais ça pourrait se payer cash si le match prenait une toute autre tournure. Allez, un nouveau stop guinéen. Alpha Kaba. Deux points pour Alpha Kaba. Les Guinéens qui reviennent. À moins 8. 13 secondes à jouer. Mathias Madi. Mathias Madi qui occasionne, qui provoque une nouvelle faute. Cette fois-ci, c'est Ibrahim Sano qui est pris par la patrouille. Il a un premier pas des plus dévastateurs, hein, Mathias Madi. Alors quand vous n'êtes pas prêt en défense, surtout si vous êtes un grand gabarit comme Sano, ça ne pardonne pas. Heureusement que lui met ses lancers francs pour Madagascar. Deuxième tentative pour Madi, 2 sur 2. Et on retrouve les 10 points d'avance pour Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin du match sur cette tentative de drive d'Alpha Kaba qui se prend la tête à deux mains. Qui se prend la tête à deux mains. On demande côté guinéen que le panier soit accordé. Mais ce n'est pas le cas. Va-t-on voir un review? Il n'y aura pas de review a priori. Et pour l'instant, on en reste là. 21 à 31 pour Madagascar. Madagascar qui, sans être hyper brillant, a fait les choses qu'il fallait au moment où il fallait. C'est surtout ça. Les Malgaches qui shootent à 36%. Ils shootent à 36%. Ils sont beaucoup plus présents sur le rebond défensif.
Les Guinéens à 50% de réussite au lancer franc contre 47 pour Madagascar. Les Guinéens à 25% de réussite à 3 points contre 40%. Et la différence peut se faire sur l'adresse au lancer franc et sur les tirs à 3 points. Voilà. Nous allons vous laisser sur ces quelques statistiques. On est à la mi-temps, 31 à 21 pour Madagascar. À tout de suite.
31 à 21 dans ce deuxième quart de finale du championnat d'Afrique des U18 qui se déroule à Madagascar, simultanément à Antananarivo pour les hommes et à Antsirabe pour les jeunes filles. Madagascar est devant de 10 longueurs devant une équipe guinéenne qui a alterné le bon et le moins bon. Madagascar est devant avec l'enthousiasme de ses joueurs, le soutien du public. Les jeunes Guinéens sont restés longtemps au vestiaire. Ils ont dû entendre parler du pays. Quand on connaît qui est Zeljko Zečević, le coach, il espère voir une nouvelle copie, une autre copie en tout cas, que cette première mi-temps qui a été par moments chaotique. Allez, c'est Madagascar qui repart à l'attaque. Et deux nouveaux points inscrits par Leva. Toujours Ibrahima Diallo à la main. Souaré. Kaba. Diallo. Diallo qui est pris en grippe hein, par une partie du public. Oh, ce pick and roll. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on estime que la possession était achevée après ce dunk de Famara Dabo. Allez, Mathias Madi. Le drive en ligne de fond, Mathias Madi. Oh, quel fouetté! Quel fouetté du poignet! Et quel joueur, Mathias Madi! Désormais 15 points pour lui. Et c'est lui encore, lui, qui va récupérer ce ballon. Landryk Donovan. Mathias Madi. L'écran en tête de raquette de Rabi Bissoua. Et le dunk! Ouh, ça va pas plaire à Zeljko Zečević qui prend un temps mort tout de suite. Après ce dunk d'Anderson, Andriyad Sarawarafa, ça ne va pas lui plaire, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Regardez-moi ça. Voilà, le petit fouetté de Leva Mirando en ligne de fond. On est sur un 6-0 encaissé par l'équipe de Guinée. Et Zeljko Zečević qui fait bien de prendre un temps mort, histoire de recadrer un tout petit peu les choses. Alors les choses ne vont pas très 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 bien. Ce début, oulala, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe de Mathias Madi pour Andriyad Sarawarafa Anderson. Et là, le score qui s'envole, hein. Plus 16 désormais pour Madagascar. Après ce dunk d'Anderson, c'est surtout après ce 6-0 en 1 minute 30 encaissé par les jeunes Sili de Guinée. Alors là, Zeljko Zečević, il y a la tête des mauvais jours. Allez, remise en jeu guinéenne. Soirée. La longue passe de contre-attaque. Ouh, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un marché. Marché logique. Allez, on va repartir avec Landryk Donovan. Donovan. Mathias Madi. Mathias Madi. Dans la peinture, Donovan. Donovan qui va partir sur le drive. La passe. La très belle passe. La très belle lecture de jeu de Landryk Donovan qui va délivrer une merveille de passe pour Anderson qui est stoppé régulièrement par Alpha Kaba. Deux lancers francs à suivre donc pour Anderson, Andriyad Sarawarafa.
Le premier manqué. Deuxième lancé franc à suivre. Anderson. Et 0 sur 2. Voilà. Ça, c'est un axe de progression hein, dans cette équipe de Madagascar. Les lancers francs. À part Mathias Madi, on va dire que c'est une calamité. Et ce tir à 3 points de soirée qui ramène les Guinéens à moins 11. Mathias Madi, Anderson, Landrick, le ballon pour Mathias Madi, défendu par Soirée, les bonnes mains de Soirée, mais le ballon va être récupéré, le tir dans le corner, non, 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 c'était un tir Ave Maria, ça, ce tir, il était osé, hein. Il était osé ce tir, allez, Alpha Kaba, Ibrahima Diallo, Ibrahima Diallo, défendu par Leva Mirando. Diallo, oh, 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 oh. Il a les mains qui savonnent. Ibrahima Sano, Soirée aussi. Ça commence à devenir problématique. Sano, une belle brique. Le rebond assuré par Landrick Donovan. Mathias Madi, Mathias Madi, l'hésitation step, et puis derrière, bang, le jumper qui fait mouche. Ah. Oh, quel talent Mathias Madi, et des appuis de feu ce joueur. Le petit stop and go, hésitation step, et puis derrière, le jumper qui fait mal. Plus 13 pour Madagascar. Oh, ça c'est pas mal fait aussi de la part de Landrick, mais qui va s'en mêler les crayons sur la fin de son drive. La contre-attaque guinéenne. Très belle transition. Et Diallo qui ne trouve pas la mire. Diallo lancé franc. Toujours pas copain avec le public. Hein. Voilà, le premier est réussi. Ibrahima Diallo. Deuxième lancé. 2 sur 2 pour Diallo. Oui, il y a une faute. Et nouvelle faute de Soirée, Ibrahima Soirée. Voilà, c'est ce que lui reproche Alpha Kaba. Fais attention aux fautes. Pas besoin de sortir aussi loin pour défendre sur un meneur. Et Soirée qui en est à deux fautes, il faut faire attention. Attention aux fautes, ça peut être préjudiciable. Oh, 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 oh. Oh, marché, marché. Marché Ibrahima Sano, qui aurait pu être pénalisé aussi d'une faute offensive. Le coup de la chaise qui a bien fonctionné. Alors, les Guinéens qui ont décidé de monter leur défense. On est sur une full court press. Une défense de presse tout terrain. Et quelques rotations. On demande un changement. C'est Landrick Donovan là qui a pris un coup. Et Rino. Rino. Randy Mbiarivelo. Qui est entré en jeu. Mathias Madi, dans son style chaloupé, avec ses bonnes mains, ses appuis. Mathias, qui va ressortir le ballon. Rino, qui... Ouh!
qu'est-ce que c'est bien fait. Richard Bay qui signe son entrée en jeu aussi par ce soyeux jumper. 44 à 28. Aïe, 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 aïe. Il y en a un qui est parti dans le zig, l'autre a donné le ballon dans le zag. Les Guinéens, pour l'instant, qui balbutient leur basket complètement. Qui balbutient complètement leur basket. Ibrahim Assano qui n'y est pas. Ibrahim Souaré qui n'y est pas. Ibrahim Diallo, ça fait trois Ibrahim qui n'y sont pas. Attention à ne pas prendre l'eau de toutes parts. Ça commence à devenir très très compliqué. Rino. Anderson. Rino. Rino. Oh, le double crossover! Le double crossover de Randrian Barivello sur Alpha Kaba. Oh, messieurs, dames. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'il est beau. Miyajatoki, Rino, qui font du bien à cette équipe. Remise en jeu, Miyaja. Et pourquoi pas, il va suivre son rebond. Mais le rebond est assuré par Diallo. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo. Le ballon dans le corner. Soirée pour Diallo. Diallo. Voilà. Qui stoppe l'hémorragie. Deux points. Alors un bon coup de coaching, on va dire, hein, de la part du coach Randria qui repose son playmaker. Mathias Madi. Allez, le jump shot avec la planche qui ne rentre pas. Plus 14 pour les Malgaches. 4-16 à jouer dans ce troisième quart-temps. Ibrahima Diallo à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond sécurisé par Anderson. Andrea Tsarafara. On va jouer Mayo. Mihaja. Raobi Saona. Mihaja toujours. Oh les appuis, oh les appuis. Il s'est emmêlé les crayons là, Mihaja. Zeljko Zečević qui réclame, à raison d'ailleurs, un marché. Mais le ballon, dans tous les cas, est en faveur des Guinéens. Allez, on réclame de la défense, le public qui réclame de la défense et encore... Encore une incompréhension guinéenne. Un nouveau ballon perdu entre Thiam et Diallo. Il va falloir gommer ces pertes de balles qui commencent à devenir importantes pour l'équipe de Guinée. 17 ballons perdus déjà. 17 ballons perdus et vous imaginez 3 passes décisives. Regardez-moi ce ratio. Si les Guinéens perdent ce match, ils sauront où est-ce qu'ils l'ont perdu. Donc c'est un nouveau temps mort avec cette équipe de Madagascar qui est devant, qui tient le bon bout, qui a sorti son maître à jouer, Mathias Madi, pour le reposer. Pour l'instant, ça ne leur coûte pas grand chose, ils sont devant, plus 14, ils tiennent le bon bout, pourvu que ça dure pour eux. Alors, on voit Mfamara Dabo qui se fait strapper la cheville droite, on espère pour lui que ce n'est pas grave et pour l'équipe de Guinée. Les entrées de Richard B. Miyaja, Rao Bissaona ont apporté du boost à cette équipe malgache. Le temps que Mathias Madi se repose. Et les Guinéens qui vont revenir avec Sano, avec Thiam, avec Diallo aussi.
Et Savané, joueur du Centre fédéral de Guinée. Savané, nouvel entrant, qui va jouer ses premières minutes dans ce match, dans ce quart de finale. Alpha Kabine Kaba, pénalisé par les fautes, est obligé de rester un moment sur le banc. Allez, la position préférentielle, Andy Herson, qui va manquer son tir. Le rebond par Sano. La contre-attaque guinéenne, ça c'est bien fait. Et derrière, il n'y a toujours pas la réussite. Oh, il se bat. Oh, il se bat. Il s'est battu comme un beau diable, Richard B. Malgré la vingtaine de centimètres qu'il rend en Famara Dabo. Le ballon sera guinéen sur la possession alternée. Allez, remise en jeu guinéenne. Diallo à 3 points. Rebond Andy Herson. Oh, tout seul. Il en a fait un peu trop. Mihaja. Et qui perd ce ballon. Allez, Diallo dans ses œuvres, pas loin de perdre le ballon. Thiam qui se bat et qui va obtenir la faute. Bon, on va dire que sans son maître à jouer, Madagascar, qui maintient quand même 14 points d'avance, c'est plutôt bon signe. C'est le retour d'Eritiana. Premier lancer franc de Thiam est réussi. Toujours plus 13. Madagascar. 2 sur 2 pour Thiam. Le ballon dans les mains de Mathias Madi, qui est revenu aux affaires. Mathias Madi qui est contré cette fois-ci par la défense guinéenne. Ah, un ballon perdu. Un peu trop prétentieuse cette passe d'Ibrahima Diallo. Eritiana qui va bénéficier de l'écran, qui va se lever à 3 points. Shoot très très compliqué. Attention à la fin de possession. Le tir à 3 points de Mathias Madi. On se bat. Et il s'est bien battu. Il s'est très très bien battu, Anderson. Richard B, pardon, qui obtient la remise en jeu et une possession de 14 secondes. Allez, c'est parti. Les Malgaches encore. Rebond cette fois-ci. La poussette de Richard B sur Ibrahima Sano. Et le ballon sera guinéen. 1:44 à jouer. Plus 12 pour les Malgaches. Ibrahima Diallo. Avec son pansement au niveau du menton qui a dû prendre un coup. Ibrahima Diallo, la passe, le contre d'Andy Herson. Quelle présence, Andy Herson, Adriat Sarafara. Oh, la tentative d'aller au haut. Oh, quelle action là de Madagascar, qui remet un tout petit peu les Guinéens la tête sous l'eau. Très très belle combinaison. La passe dans le timing exceptionnel et cette détente d'Andy Herson qui va écraser ce dunk. Plus 14 encore une fois. Et à raison Zeljko Zečević qui va prendre un tambour. Regardez-moi ce dunk, mes aïeux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau.
Qu'est-ce qu'il est beau! Le timing de passe. Et puis derrière. Quel beau dunk. Une 0-5 à jouer, 14 points d'avance dans ce troisième carton de la deuxième quart de finale du championnat d'Afrique U18 masculin. En premier match, on rappelle que le Mali s'est qualifié devant le Bénin et que le vainqueur de ce match, Madagascar-Guinée, affrontera le Mali en demi-finale après-demain. Parce que demain, nous aurons les deux autres quarts de finale masculins. Après-demain, demain, nous aurons Algérie-Égypte et Angola-Sénégal. Encore deux matchs qui promettent. Allez, le conciliabule. Au niveau des arbitres, la fin de temps mort. On appelle l'équipe guinéenne. Le temps mort un peu plus long. Essayer de mettre en place une stratégie. Alors, on va repartir avec Thiam. Avec Mfamara Dabo. Avec Sano. Avec Diallo aussi. Et Ibrahim Souare. Ah, il y a une double boîte. Une prise à deux sur la remise en jeu contre Ibrahima Diallo. Voilà, il est ciblé. C'est lui la menace numéro un dans cette équipe du Sili. Voilà, regardez hein, sur votre écran la prise à deux. Voilà. On va chercher à donner le ballon à tout autre joueur sauf Ibrahima Diallo qui finit par l'avoir et qui va provoquer une faute. La faute commise par Andriat Sarafara et Ibrahima Diallo sur la ligne de lancer franc. Le premier est converti. Premier réussi. Deuxième lancé franc. Manqué le rebond pour Andy Herson. Attention à ne pas marcher. Les appuis bien positionnés. Il a été un peu trop altruiste là, Mathias Mali. Il avait, à mon avis, le chemin du panier ouvert. Un peu trop altruiste. C'est déjà bien qu'à son âge, il y pense. On ne va pas le lui reprocher. Certains joueurs à cet âge ne pensent qu'à leurs statistiques individuelles. Diallo qui va avoir du mal. L'écran bien fait de soirée. Diallo dans ses œuvres. Quelle défense malgache encore une fois. On ne lâche rien. On ne donne rien côté malgache. Remise en jeu ligne de fond. 7 secondes à jouer sur la possession. Diallo à 3 points manqués. Mfamara Dabo qui lutte, qui récupère ce rebond, qui va perdre le ballon. Oh, Eurostep, très très bien réalisé de la part de Eritiana Fabrizio. Et plus 15 pour Madagascar. La passe dans la peinture, la bonne défense. Et oui, la faute antisportive là. Faute antisportive, les signaux sont mauvais. Alors, la faute antisportive, selon le geste de l'arbitre, ou c'est la fin du troisième carton. Toujours est-il qu'à la fin de ce troisième carton, on a 48 pour Madagascar et 33 pour la Guinée, plus 15
Est-ce que c'est irrémédiable? Non, tout peut arriver au basket, mais pas en jouant de cette façon, pas en jouant de la façon dont jouent les jeunes Sili de Guinée. Mathias, qui est à 21 points. 21 points sur ce match. 12 points pour Diallo. Demi-finale, pour l'instant, en tout cas, bien tenu par les jeunes malgaches qui essaient de faire les choses comme il faut, par moments spectaculaires, par moments brouillons, mais en face, c'est pas mieux. Et les entrées en jeu, justement, de Leva, Eritiana, Richard B, ont apporté un souffle nouveau à cette équipe. Et puis regardez ce bel alley-oop hein, de cette équipe malgache, le Eurostep derrière. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et il était là, hein, Jerry Rabilisoa, qui suivait en cas de tir manqué pour assurer la claquette. 10 minutes à jouer désormais pour les jeunes Sili pour mettre leurs deux pieds en demi-finale. Ils ont 10 minutes pour effacer une ardoise de 15 points. En seront-ils capables? C'est à voir. Allez, quatrième carton. On est parti avec Fabrizio Eritiana. Mathias Madi. Qualité d'appui toujours. Oh, ça c'est bien fait, le spin move. Mais il va mettre le pied en touche. Jerry Rabibisoa qui met le pied en touche. Allez, remise en jeu pour Famara Dabo. Diallo, l'écran de Dabo. Diallo. Sano qui va aller s'empêtrer, marcher. Oui. Sano qui va aller s'empêtrer. Il a trois joueurs sur le paletot. Il peut ressortir le ballon. Le travail de fixation a été fait. Pourquoi ne pas ressortir le ballon? C'est d'ailleurs ce que lui reproche Diallo. L'équipe guinéenne qui est brouillonne hein, depuis que Alpha Kaba est sur le côté pour problème de faute. Mathias Madi à deux points. Il va suivre son rebond. Le contre-guinéen. Mais les malgaches. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Allez, il s'en sort bien, Ibrahima Sano. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout pour les jeunes malgaches. Et un nouveau ballon perdu. Et voilà. Voilà comment on remet l'adversaire dans le match. Plus 11 désormais pour Madagascar sur deux ballons perdus, deux cadeaux. Il ne va pas falloir trop en faire. Ça, c'est pas mal. On va travailler dans le short corner. Non. Allez, un troisième stop, là, des Guinéens qui ont l'occasion de revenir un peu plus près. Qu'est-ce qu'il a voulu faire soirée? Aïe. Et voilà, tranquillement, Madagascar qui essaye. Et cette fois-ci, Mathias Madi n'a pas connu la réussite. Ibrahima Diallo qui va essayer de calmer tout ça. À trois points, Ibrahima Diallo qui est court. Le rebond long, mais la faute de Famara Dabo. Et c'est un temps mort. Demandé par Madagascar qui a balbutié ses trois dernières attaques et qui a besoin de remettre un peu les joueurs
dans de meilleures dispositions sur le plan tactique. On revoit ce dunk presque manqué, hein, d'Ibrahim Asano. Et puis ce layup bien posé par Ibrahim Diallo. Et ça permet aux Guinéens de revenir dans la partie. Donc temps mort logique pour Madagascar. Plus 11. 7,52 à jouer. Autant dire que tout reste possible pour les jeunes Sili. Tout reste possible pour les jeunes Sili de Guinée. Allez, on est reparti avec Landryk Donovan. Mathias Madi. Landryk Donovan et la faute. Et la faute d'Amadou Thiam. Zetkosevich qui houspille ses troupes, qui les encourage, mais qui pousse aussi de temps à autre une bonne gueulante. Ils en ont besoin, ces jeunes joueurs, histoire de recadrer les choses. Mathias Madi, il est court. Rebond Famara Dabo. Attention à ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, ça c'est mieux. Le ballon dans les mains de Thiam. Thiam pour Ibrahima Diallo. Le métronome, Ibrahima Diallo. Attention à cette passe encore une fois. Le Sano, Diallo. Oh, ça c'est bien fait. Qualité d'appui, qualité de jump, 2 points. Ils sont revenus sous la barre des 10 points, les jeunes Guinéens. Attention à ne pas tomber dans l'euphorie, Madagascar. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre pour Madagascar. Et les Guinéens qui repartent à l'assaut. Ibrahima Diallo, encore une fois. On voit le coach Randria, hein, qui demande à ses troupes de défendre. Et Diallo qui a un peu mangé la feuille. Il va falloir impliquer les autres. Quand on dit qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a vraiment rien qui rentre. Côté malgache. Il n'y a plus rien qui rentre côté malgache. ...48-39... ...3 possessions... ...6-23 à jouer... ...autant dire que c'est largement... ...dans le domaine du possible... ...Famara Dabo... ...Amadou Thiam... Oh, ...qui n'arrive pas à scorer... ...malgré l'écran... ...de Sano... ...et puis voilà... Rino qui va inscrire de nouveaux points. Avantage un peu plus confortable. Plus 11. Ça ne rentre pas pour Diallo. Le rebond pour Thiam. Allez, on va remettre en place. Ibrahima Diallo, encore une fois, la passe dans le dos. Thiam. Step back, step away. Rebond très très bien assuré par Rabi Bissoua. Allez, Rino qui va garder le ballon tranquillement. Voilà, le maître à jouer, Mathias Madi dans ses œuvres. La position préférentielle sur Rabi Bissoua. Eurostep, ça ne rentre pas. La contre-attaque guinéenne. Ibrahima Diallo qui marque. Ibrahima Diallo qui est en train de faire un chantier. Qui porte l'équipe guinéenne sur ses épaules. La Mathias Madi qui va lui aussi avoir deux lancers francs. 17 points pour Ibrahima Diallo qui pour l'instant en tout cas porte l'équipe guinéenne sur ses épaules.
Winnie Kaba, malheureusement, ne peut plus jouer. Problème de faute, 5 fautes. Un nombre de fautes peut-être pas bien géré, mais voilà. Madagascar ne se pose pas de questions. Plus 11, un peu moins de 5 minutes à jouer. Soirée pour la remise en jeu. Toujours une défense haute sur Ibrahima Diallo, le métronome. La qualité d'appui d'Ibrahima Diallo. Oh, le dribble dans le dos, Diallo. Diallo dans un numéro d'équilibriste qui va avoir le bénéfice de deux lancers francs. Très bon petit joueur. Un très bon petit joueur, c'est Ibrahima Diallo. Joueur de la Little Helms High School dans le Texas. Ça se voit, ça se voit. En revanche, cette attitude-là, bon, c'est pas la commenter. Et voilà, elle le sort de sa routine de lancer franc au moment où son équipe en a le plus besoin. Il faut rester concentré. Malgré les huées du public, il faut rester concentré. Il ne faut pas faire le jeu du public. Voilà, 1 sur 2 pour Ibrahima Diallo. Mathias Madi. Reprise avec soirée. Mathias Madi. Oh, quel joueur. On a deux grands meneurs dans ce match. Ibrahima Diallo et Mathias Madi. Oh, 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 Mathias Madi. Oh, 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 oh. Quel joueur, messieurs, dames. Stop and go, fake and stay, la qualité d'appui de ce joueur, elle est exceptionnelle. À 18 ans, c'est incroyable. Et l'adresse au lancer franc, qui fait pas de mal. Sur deux pour Madi. Attention, ça se frictionne. Ça se frictionne. 4-24 à jouer. Allez, une défense malgache un peu plus agressive. Qu'est-ce qu'il va nous faire, soirée? C'est difficile de jouer dans un aussi petit périmètre. Voilà, ça c'est bien ce que fait Madagascar. On va calmer le jeu, essayer d'exploiter la possession. Un tir ouvert, pourquoi ne pas le prendre? Mais il n'est pas droit. Il n'est pas droit, ce tir de Richard B. On l'a vu tout de suite, hein, dès le lâcher de ballon, qu'il n'était pas droit. Et le public de la Salma Massina qui se réveille, qui sent que son équipe a besoin de lui. Des défenses, défenses, qui tombent des travées. Ouais, soirée, soirée qui a tenté quelque chose de difficile là. Claquette, très compliqué. Les Guinéens qui ont vraiment du mal, pourtant ils ont trois grands sur le parquet. Soirée, Dabo et Sano. En face, il y a moins de taille, mais il y a peut-être un peu plus de talent, plus de volonté, plus d'engagement. Allez, voilà, on va calmer tout ça. On va remettre en place. Il y a 14 secondes sur la possession. Voilà, ça c'est bien ce que font les Malgaches. Ouh, c'était osé là. Ce que nous a tenté Richard B. Et derrière les Guinéens qui n'en profitent pas. Bon retour défensif de Jerry Rabibisoa. Une sorte de clapping à la malgache dans la salle.
dans ce beau complexe, beau gymnase de Ramazina à Antanana Arrivo. Allez, une tentative à 3 points de Suleiman Diakité, mais avorté. Un tir sans timing, un tir sans préparation, hors rythme, ce tir de Diakité. Difficile dans ce cas-là d'obtenir quelque chose. Allez, toujours les Malgaches à la manœuvre. Ce tir de Géry qui ne trouve pas la cible. Et Diallo dans ses œuvres. Très très bon joueur Ibrahima Diallo. Retour en jeu de Richard Bay. Voilà, c'était pour ça. C'était pour ça qu'il est venu. Et... oh, le trash talk derrière. Richard Bay, sa défense sur Ibrahima Diallo. Défense pot de colle. Et plus 14 pour Madagascar à 2:35 de la fin. Ça commence à sentir le roussi pour les Guinéens. Les deux équipes dans la pénalité. Chaque faute occasionne deux lancers francs. Et le coach Emel Alejandría qui lâche ses consignes, qui distille ses consignes. Il sent que ses joueurs sont capables de frapper un grand coup. Et Diallo qui n'arrête pas, qui continue. Il ne se sera pas fait des amis à Madagascar, lui. Ibrahima Diallo, premier lancer franc converti. Le deuxième pour amener son équipe à plus 12. Il est manqué. Et le rebond sera pour Géry Rabibissoa. Mathias Mali face à Soaré. Mathias Mali sur la vitesse, c'est sûr que Soaré ne peut pas défendre sur Mathias Mali. Il est beaucoup moins mobile. J'ai du mal à comprendre ce choix tactique. Il est beaucoup, beaucoup moins mobile. Hein. En vitesse de jambe, Mathias Mali, il n'a pas son pareil là. Peut-être Ibrahima Diallo. Amadou Thiam, pourquoi pas. Mais surtout pas Ibrahim Soaré. Et Mathias Mali, tel un métronome. La cinquième faute. Cinquième faute de Soaré, obligé lui aussi de sortir. Tout à l'heure, comme Alpha Kabine Kaba. Et certainement un peu de fatigue aussi pour Mathias Mali qui laisse quelques lancers francs en route. Lui qui pour l'instant est le grand grand bonhomme de ce match pour Madagascar. Voilà, 1 sur 2. Plus 14. Diallo qui va s'empêtrer dans la défense malgache. Et le ballon sera perdu. Nouveau ballon perdu et temps mort. Temps mort demandé par les Guinéens. 24 ballons perdus. De quoi faire enrager Zeljko Zečević. 24 ballons perdus, c'est injouable. Madagascar aura perdu en tout et pour tout 13 ballons, soit 11 de moins. Les top scoreurs, toujours Mathias Mali, 26 points.
26 points, Mathias Madi, et 7 passes décisives, 3 interceptions, joueur complet. Rino, 8 points, qui apporte aussi sa participation. Jerry Rabibisoa, 9 points. Et côté guinéen, on a les 19 points d'Ibrahima Diallo, les 15 points de Sano, et puis pas grand chose. Alpha Kabine Kaba, malheureusement, est sorti pour 5 fautes avec ses 8 points. Voilà. Et là, on va jouer l'horloge. Deux dernières minutes, on va jouer l'horloge côté malgache. Faire tourner le ballon, faire tourner la montre aussi. Attention, ne pas trop s'enflammer quand même. Les 4 secondes sur la possession. Ballon perdu. Faute sur Mfamara Dabo qui va aller sur la ligne de lancer franc. C'est franc à suivre pour Dabo, moins 14, 1,42. On va dire que ça sent bon pour Madagascar. D'autant plus que Dabo ne convertit pas son premier lancer franc. Deuxième lancer à venir. Voilà, 1 sur 2 pour Dabo. Madagascar qui va gérer encore cette possession. Voilà, Mathias Madi. Richard, Mathias Madi. On fait circuler le ballon. Série de end-off. Ils ne marquent pas, mais ils vont jusqu'au bout de la possession. Et ça fait tourner l'horloge. C'est plutôt tactiquement bien fait. Allez, à 3 points, pourquoi pas là-bas. Quel avion que nous a envoyé Aboubakar Savané. Plus 13. La dernière minute de ce match, de ce quart de finale, ce deuxième quart de finale qui va certainement voir Madagascar s'imposer devant les jeunes Sili de Guinée. Oh là 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 là. On peut faire l'économie de ce genre de faute, monsieur Ibrahima Sano. Beaucoup de frustration de la part de Sano sur cette faute. Mais quel joueur Mathias Madi, excellent joueur. Et voilà, le public ne s'y trompe pas, des Madi qui commence à descendre des travées du palais des sports Mamassina d'Antananarivo. Absolument le MVP de ce match. Changement de joueur. Voilà Mathias Madi qui va sortir et qui mérite son ovation. Allez, les Guinéens, c'est fort à l'amo, hein. Chacun pour sa pomme. Et c'est David Rairinaivo qui est entré. Voilà le numéro 2. David, meneur de jeu. Et ben voilà, belle passe. On va faire tourner le ballon. On va circuler le ballon. 10 secondes sur la possession. On prend un tir, même s'il est manqué. Allez, Diallo. Ha ha ha.
non, 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 le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Dans les deux dernières minutes du quatrième carton, le chrono est arrêté quand il y a un panier. Donc le match n'est pas encore fini. 1:08 à jouer. Et ça sera la délivrance. Plus 13 pour Madagascar, qui va donc se qualifier pour la demi-finale de ce championnat d'Afrique. Bon, il y aura une faute technique pour la forme, parce que les joueurs malgaches sont entrés sur l'aire de jeu avant la fin de la rencontre. Madagascar va s'imposer. 1:08. Voilà. Ça y est, c'est fini. Madagascar qui s'impose. 59 à 47. 12 points d'écart. 12 points d'écart. Madagascar donc qui se qualifie pour la demi-finale de ce championnat d'Afrique U18 organisé à domicile. Et je peux vous dire que ce n'est pas souvent qu'on a vu Madagascar à pareille fête. Très très belle équipe en tout cas. Un match maîtrisé de bout en bout avec comme chef d'orchestre un certain Mathias Madi, 28 points à 40% de réussite au tir, 26 points et il nous a sorti 7 passes décisives, 3 interceptions, évaluation 24. Quel joueur Mathias Madi, bien aidé aussi par ses coéquipiers. Rino, Randy Ambiarivelo, bien aidé par Jerry Rabi Bissoua. En face, malheureusement, les Guinéens n'ont existé. Ils n'ont existé que par Ibrahima Diallo et ses 20 points. 20 points à 5 sur 17. C'était trop peu. On n'a pas vu Ibrahima Soaré. Ibrahima Sano a essayé, mais c'était trop peu. Donc, victoire logique de Madagascar qui affrontera donc en demi-finale le Mali, le champion en titre. Rendez-vous demain pour Algérie-Égypte, premier de notre deuxième journée de quart de finale. Premier match de notre deuxième journée de quart de finale. Et puis le choc Angola-Sénégal. Voilà, on a été très heureux en tout cas de vous retransmettre ces matchs. Vive le basket africain et à demain. Bye bye.